Why do I even try? Give me a reason why. I thought that I could trust you, never mind. Oh. He's looking for some real friends. All they ever do is let me down. Every time I let somebody in, then I find out what they're all about. I'm just looking for some real friends. Ah, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, magnifique intro avec Camilla Cabello, just looking for some new friends. Ça veut dire je recherche juste de nouveaux amis, hein, ce qui est mon cas, parce que mon cœur est grand, il est grand, il peut, je sais pas moi, il est grand, il est grand pour tout le monde, pour vous tous. Donc sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet, mes chéris. Comme vous avez lu dans le titre, hein, mes pires hontes, oui, je ne suis pas exceptionnelle, vous voyez, je ne suis pas différente de vous, mais moi j'ai des râteaux, j'ai des trucs que je me prends à la figure, hein. Donc cette nouvelle vidéo, c'est pas celle que j'allais poster aujourd'hui, mais je me suis dit, bah écoute Rose, c'est le matin, hein, les gens n'ont pas forcément envie de savoir comment s'enlever un bouton qui est collé à la fesse depuis une semaine, hein, d'accord? Peut-être un petit peu d'humour si vous êtes au volant, si vous êtes en train de conduire, si vous êtes en train d'arriver au boulot, si vous êtes en train d'aller à l'école, hein, je ne sais pas moi, ce que vous faites le matin, ou même si vous êtes encore dans votre lit, voilà une petite vidéo rien que pour vous, hein, rien que pour vous donner un petit sourire. Donc s'il vous plaît, si jamais vous avez écouté mon message du début et que vous êtes prêt à être un new friend, taguez-moi ça en bas. Je veux voir new friend, new friend, new friend. J'espère que je vais avoir 1000 nouveaux amis. J'espère que vous allez m'écrire, oui Rose, je suis une nouvelle amie. Oui Rose, je suis une nouvelle amie. Yes Rose, I'm a new friend. Ok mes chéris, donc sans plus tarder, on va y aller et vous allez par là apprendre à me connaître. Vous allez voir que moi aussi, hein, j'ai des râteaux, j'ai aussi des pires hontes, j'ai aussi des horreurs qui m'arrivent. Et j'espère bien sûr que dans les commentaires, vous allez pouvoir me mettre quelque chose, hein, qui va un petit peu faire que je n'ai pas totalement honte de me livrer comme ça, quoi. Que vous allez mettre aussi des trucs qui vous sont arrivés, bien sûr, des trucs un petit peu drôles, hein, pas trop tristes, d'accord, mes chéris? Donc voilà, sans plus tarder, on va y aller. Donc voilà, je suis allée une fois avec des copains, des copines, et comme d'habitude, on a toujours des perruques, nous les blagues, toujours et toujours des perruques, c'est un truc de ouf. Et je vais avec ma perruque, ma lace front, donc j'avais bien fait ma perruque derrière, mais devant j'avais collé une espèce de front, vous voyez, c'était des lace wig, là c'était à la mode en ce moment, mais à ce moment-là, je sais pas pourquoi on collait, on ne cousait pas, donc c'était collé. Et j'arrive à la plage, je fais mon machin, vous savez, là je suis en train de, comme je sais si bien le faire, hein, je me la pète, je fais ma belle, je marche sur mes déhanches, et les gars pss, qui me sifflent sur les côtés, plus ils me sifflent, plus, vous voyez, je fais mon intéressante, quoi. Et là, je me dis, oh, franchement, là, ça fait une heure quand même, tu vas piquer une tête juste pour montrer que voilà. Et je pique une tête, je ressors de l'eau, j'étais seule sur le, quand je suis ressortie, j'étais seule. Et je continue de marcher, je marche, je marche, je marche. À un moment, je vois un attroupement de personnes un petit peu plus loin, là où j'étais sortie de l'eau. Et oh mon Dieu, est-ce que vous croyez qu'elle s'est noyée? Et je les entends parler. Et moi, j'arrive et je vois qu'ils sont autour de quelque chose. Et ben, c'est quoi? C'est ma lace wig qui s'était décollée et qui était là-bas. Oh, dès que je vois ça par terre, ben, je reconnais tout de suite. Je mets la main sur ma tête. Bon Dieu, il y a un gros trou là sur ma tête. Je me tourne tout de suite pour regarder si personne ne m'a vu et je rebrouche chemin lentement. J'ai juste pris le truc qui était autour et j'ai attaché sur ma tête. Autant vous dire que même si ma lace wig là valait 1000 euros, j'allais la laisser là-bas. J'ai dit franchement, non, 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 je peux pas me courber pour la ramasser. Là, déjà que c'est l'humiliation à mort, me courber pour la ramasser avec les téléphones qui sont. Ah non, 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 en train de vous savez, c'était la Facebook là. Tchac, tchac, tchac. On te met, ah, Seigneur Dieu, tu vas faire le tour de Facebook. J'ai laissé ma perruque à contre-cœur et je suis partie en courant. Donc c'était l'une des pires choses, vraiment l'une des pires hontes. Ah, c'était vraiment horrible ça. Donc histoire numéro 2. Voilà que ça, j'étais encore étudiante, hein, donc je sors avec un petit ami. On va à une soirée et tout et tout et tout. Comme d'habitude, hein, moi je suis toujours en train de faire ma belle. Hein, j'aime bien me la péter. Donc j'arrive là, talon aiguille, pantalon jean bien, bien, bien arrangé là. Un taille basse et tout. Tac, tac, tac. J'arrive à la soirée. Quand on me dit bon sang, salut, je fais mon truc quoi, ma belle quoi.
Et là, au cours de la soirée, ils se mettent à boire, à machin, à faire des trucs, plein, plein, plein de trucs. Moi, franchement, je suis très sensible à l'alcool, tout ce qui est alcool, tout ce qui est... J'ai même pas besoin de boire pour avoir des sensations d'enivrance, en fait. Il suffit qu'on boive autour de moi. Et donc, ils boivent, ils fument, et tout ce mélange-là, franchement, me met KO, ça me met gaga. Donc, je me couche là sur le canapé, je commence à dormir. Mais sauf que, vous savez, quand vous commencez à dormir, vous avez des... Comment on dit des... Vous commencez à rêver, quoi. Vous êtes vraiment pas à fond dans le sommeil, mais vous êtes en train d'entrer dans le truc, vous voyez. C'est la phase de transition entre le sommeil paradoxal et le sommeil léger. Donc, justement, j'étais à cette phase-là. Et dans mon rêve, justement, j'ai rêvé que je tombais d'une falaise. Regardez-moi ça. Tomber d'une falaise au milieu d'une soirée. Mais pendant que j'ai rêvé dans ma tête que je tombais d'une falaise, j'étais juste en train de tomber du canapé. J'étais à ça du sol. Donc je me tourne et je tombe. Mais sauf que dans mon rêve, je crois que la chute a duré 15 minutes. Et je tombe finalement, j'atterris par terre. Mon Dieu. Et quand j'atterris par terre, je suis sûre que je suis morte. Et dans mon rêve, j'essaie de m'aider. Je m'étouffe en fait. Et là, j'étais à cette soirée-là avec tous les convives et tout le monde. Et moi, je suis par terre, j'arrive pas à me réveiller. Donc, autant vous dire que le spectacle était vraiment ahurissant. Et c'est du coup mon petit ami qui m'a récupéré une claque. Parce qu'il n'arrivait pas à me réveiller, quoi. J'étais, oh, aidez-moi, aidez-moi. Je crois que je suis en train de mourir. Et là, quand je me suis réveillée, ils se sont d'abord tous regardés. Et puis, ils m'ont regardé et ils se sont attrapés les uns les autres. Ils ont ri. Les gars ont dit à mon ex, là, gars, ta go, elle se chute à quoi? Parce que là, elle est complètement torchée. Et pourtant, j'étais pas torchée. Je venais juste d'avoir un cauchemar. C'est la pire histoire numéro 2 qui me soit arrivée. Parce que finalement, j'étais... Voilà. C'était horrible, quoi. Cette histoire, vous savez, quand t'as un gars qui te plaît, surtout quand t'es jeune, hein, plus il te plaît, plus il t'énerve. Je sais pas pourquoi on est comme ça, nous, au fait. Hein. Non, moi, j'avais un gars qui me plaisait, mais truc de ouf. Hein. Je perdais les pédales dès que je le voyais arriver. Donc, chaque fois, je t'entends. Mais dès qu'il me disait bonjour... Hey, salut, comment tu vas? Je le toise au moins 4 fois avant de passer. Et c'était, mais je l'aimais tellement, tellement. Je rêvais de lui chaque nuit. Je rêvais que c'était mon prince charmant. Je rêvais que c'était mon amoureux. Je rêvais de lui tous les jours. Et là, un jour, on est là. Je parle de lui à une copine. Hein, je suis en train de parler. On était au campus. Je sais pas comment j'ai fait pour me retrouver, hein, au même endroit que lui sans même savoir qu'il était derrière moi. Mais comment il s'appelle? Il s'appelle Roland. Mais comment ça, il s'appelle Roland? Il est comment? Je décris comment il est. Il fait quoi? Non, il est dans l'équipe de base. Basket et tout, non, le grand là qui est comme ça, oui, mais je crois que tu le as. J'ai dit oui, mais je l'aime tellement, je suis tellement folle de lui. Si seulement je pouvais lui dire à quel point je l'aime, à quel point je rêve de lui chaque nuit. Après, je vois que le visage de ma copine, moi ça s'est déformé, mais un hein, genre, j'ai dit, mais qu'est-ce que t'as après me fait ça. Et dès que je me retourne, je dis, oh non, oh. Et ça, c'était vraiment la pire des pires de toutes les hontes de toute ma vie, ça. J'ai tellement eu honte, j'étais tellement mal à l'aise, tellement, 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 parce que du coup, je me suis dit, ok, comment je fais maintenant? Est-ce que je lui dis bonjour? Est-ce que je continue de le snobber? Est-ce que vous voyez? Donc, c'était la troisième pire honte. Et la quatrième, alors celle-là, franchement, c'est l'horreur de chier, 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 chier. Vous savez, je vous ai dit, j'ai fait mes études en Hollande, donc... Moi, quand j'ai terminé, franchement, j'ai pas eu envie de vivre là-bas. Donc, j'ai décidé de retourner en France. Et comme j'aime tout faire toute seule, hein, vivre ma life, faire mes affaires, mes trucs moi-même, j'aime bien être aux commandes de ma life, quoi. Donc, voilà, pour déménager mes affaires, je prends donc, je loue un one-way travel. Donc, c'est que tu prends la voiture, tu déposes, tu n'as pas besoin de la ramener. Donc, je loue ça aux Pays-Bas. Et c'était un gros truc comme ça, là. Donc, je remplis toutes mes affaires. En même temps, je n'avais pas grand-chose parce que c'était un studio pour étudiants. Donc, j'avais juste mon lit, mon frigo, une chaise, des petits trucs comme ça, là. Chose comme ça, et je mets toutes mes affaires dedans pour revenir en France. Maintenant, j'avais étudié toute, j'avais travaillé toute la journée, donc j'étais vraiment très fatiguée avec les procédures administratives et tout le truc, j'étais KO. Donc j'ai décidé donc de m'arrêter à Anvers, hein, à Anvers entre Amsterdam et Paris, hein, c'est pratiquement à mi-chemin. Je décide de m'arrêter pour faire une sieste parce que je commençais déjà à dormir sur la route et tout et tout et tout. Et donc je me gare et je commence à dormir, mais je crois que j'ai dû dormir 2 heures au moins. Et là, j'entends ton, 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 ton sur la fenêtre. Et je me tourne, je regarde. Il y a 2 hommes qui sont là.
Et j'ai le cœur qui me bat parce que je me dis, est-ce que c'est la police? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi on vient? Mais je n'arrive pas trop à interpréter. Ils me font des mots, mais des sons. Vous savez, le temps de se réveiller, quoi, d'essayer de comprendre vraiment ce qu'on est en train de te dire. Au final, j'entends Oumani, Oumani. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est? Moi, j'ai pas envie d'ouvrir parce que je sais pas qui. Je suis une femme, je suis toute seule, je suis en voiture, je vais pas ouvrir. Donc j'approche l'oreille et j'entends Oumani, Oumani. Je dis, mais qu'est-ce qu'il me dit lui? Et là, je vois quelqu'un qui pose un billet de 100 euros sur la fenêtre comme ça. Oumani, Oumani. Oh! Seigneur Dieu, il est en train de dire how many. Et il a mis un billet avec son copain. Donc, how many, combien? Combien quoi? Et comme j'avais un van et que j'étais une femme et que j'étais au volant, je crois qu'ils ont dû croire que j'étais en train de... J'étais là pour le truc, quoi. Et, comme, et c'est là où j'ai regardé à l'air où j'étais, il y avait plein de vannes. Et apparemment, c'était les vannes de filles, quoi. Autant vous dire que j'ai démarré mon van, j'étais mal à l'aise, j'étais là, j'ai démarré mon van et je suis partie. Voilà, donc c'est ça. Et mes chéris, la dernière petite histoire pour vous souhaiter bonne route, hein, c'est celle-ci. Voilà, donc je vous avais expliqué qu'à un moment donné, pour des raisons dont je vous avais expliqué dans une autre vidéo, ma vidéo de présentation de 2017, hein, j'avais pris énormément de poids, énormément de poids. Donc j'avais fait entre 150 et 170 kilos. Et ben, quand on a ce poids-là, vous voyez, on ne peut plus porter des strings, ce genre de caleçon. C'est très, très, très compliqué de porter ça. Donc, voilà, je suis allée au supermarché, j'ai acheté. Non, j'ai trouvé des culottes, des grosses culottes, mais des grosses culottes, en fait, quand t'es grosse, franchement, des grosses culottes, ça te met bien, ça te met à l'aise. T'as pas quelque chose entre, voilà, tu vois, entre la haie et tout ça. C'est compliqué. Donc, du coup, j'ai pris ces culottes-là. Hein. Je me rappelle qu'il y en avait 4 dans le même sachet. Et c'était un vendredi soir. Du coup, mes copines me disent, allez, Rose, tu vas pas rester enfermée tout le temps comme ça à la maison. C'est pas parce que t'as du poids que tu dois rester enfermée, déprimée. Allez, viens, on sort. J'ai dit, non, j'ai pas envie de sortir. J'en ai... Allez, viens. À bout de force, elles finissent par me traîner dehors. Donc, moi, je me fais coquette. Je porte une robe noire, assez sexy, transparente un petit peu. Hein. Et on va en boîte. Comme j'aime danser, vous avez pu regarder. J'arrive en boîte, à peine je suis en train que je fonce sur la piste. Je suis sur la piste. Je me dérange, je fais mon truc. Je dis que oula, ce soir-là, je vais me gâter. Après, je vois la piste commence à se vider. Ting, ting, tong, ting, tong. Mais je vois que les gens sont assis tout autour de moi. Et je finis par rester seule sur la piste. Et je vois mes copines qui sont en train de faire la tête. Je me dis, ok, il y a un problème. Et quand je quitte de la piste, je vois que tous les yeux, vous avez déjà vu les yeux. Tous les yeux sont sur toi. Ok, définitivement, il y a un problème. Je me faufile, j'arrive vers mes copines. Je dis, dites-moi qu'il y a un problème, il y a quelque chose, n'est-ce pas? Elles me disent, oui, Rose, il y a quelque chose. Je dis, quoi? Miroir. Ah! Vraiment? Non, ce jour-là, franchement, si je ne suis pas morte, hein, je vous jure, mes amis, je suis immortelle. Je suis immortelle, je ne vais plus jamais mourir. Quand je me regarde au miroir, mes amis, les culottes que j'avais achetées le matin, c'était des culottes fluo. Et j'en avais porté une blanche. Vous savez, ces gros caleçons-là, les gros caleçons tue-l'amour, là, j'avais porté ça. Ma robe noire était transparente. Ça veut dire qu'avec la lumière de la boîte de nuit, on ne voyait que mon gros caleçon qui commençait de la moitié de mon dos jusqu'à mes pieds. Tout le temps que je dansais, tout le monde était en train de voir ça. Ouais. Quand j'ai regardé son miroir. Mon sac à dos jusqu'à... Non, c'était trop. Donc ouais, c'est... voilà. Et la quatrième histoire, hein, c'est que toujours avec cette histoire, vous savez, quand on est en Afrique, quand on est au Cameroun, il y a la boue, la telle, les trucs et tout et tout et tout. Et nous, les femmes, vraiment, quand on est en Afrique, on est hyper coquette parce que la concurrence est rude. Vous voyez, il fait toujours beau temps. Les filles sont toujours hyper, hyper, hyper sexy. Et les gars sont toujours là, ils nous encouragent. Wow, bébé, t'es belle. Donc voilà, j'étais toujours là avec des talons fins comme ça, tchac, 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 toujours en train de marcher, toujours en train de faire ma sexy, toujours en train de faire ma belle. J'adorais ça. Donc, chaque fois que je sortais, que j'allais, il y avait les gars du quartier là qui étaient assis là comme ça, là, pss, 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 toujours en train de me siffler. Et ce jour-là, et moi, ma maison, en fait, c'était en bas d'une pente, d'une côte. Et toutes les routes, pour la plupart des quartiers, en fait, ne sont pas goudronnées. Donc, ça veut dire que quand il pleut, il y a la boue, mais beaucoup de boue partout. Mais on est habitué, quoi. Depuis toute petite, on patauge tellement dedans que même si tu as des talons aigus comme ça, tu vas marcher, tu vas même flotter sur la boue pour passer. Hein, mes amis, vous savez de quoi je parle. Donc, ce jour-là, il y a toute la bande de gars, comme il avait plu, c'était tous réfugiés dans un bar pas loin de la côte qui descendait. Et moi, j'arrive là, j'étais sortie, hein, comme d'hab. J'arrive, tchac, 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 je suis en train de marcher. Pss, pss, pss.
quand est-ce que tu vas nous dire bonjour? Mais chaque jour, tu passes. Je regarde, je retoise encore un bon coup. Et là, je continue avec mes fesses. Mais j'aimais ça. Mais au fond de moi, ouais, c'était comme le jeu de je ne sais quoi. Ça me plaisait. C'était pas que c'était vraiment quelque chose de malsain, vous voyez. Mais j'aimais bien jouer à ça. Allez-y, rêvez toujours. Mais au fond de moi, je sais que s'ils avaient besoin de quelque chose, d'un conseil ou d'un avis, de quoi que ce soit, j'allais être volontiers de la peau. Mais c'était un jeu pour moi. Donc, moi, voilà qui descend la côte. Et mes chéris. Ah là 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 là. Si je ne suis pas morte ce jour-là, je ne vais jamais mourir. Je vous le dis pour la deuxième fois. Je crois que je suis immortelle pour la deuxième fois. Je descends dès que j'arrive au niveau du pont. Mes talons s'en mêlent. Et moi dedans. Et la boue avec. Et je glisse tout le long. Comme ça. Et en glissant, en descendant, je me roule dans la boue. Et ma perruque. Et mon sac à main. Et mes caleçons et mes machins. J'atterris tout au fond, en bas de la cour. Et quand je me lève, tous les gars sont debout, ils sont là. Oh! Mais avec un sourire, quelque chose, je ne sais quoi. Et je me lève, je ramasse mon talon là-bas, l'autre talon là-bas, mon sac à main là-bas, mes trucs, mes cheveux qui étaient là-bas, tout. Je ramasse tout. Et quand je cours, je me ramasse encore les fesses par terre, je me lève et re-ramasse. Oh! Vraiment, quand je suis arrivée à la maison ce jour-là, j'ai dit, Roselyne. Si tu ne meurs pas aujourd'hui, tu vas jamais mourir. Le chagrin était comme ça. Je dis, ah, pourquoi moi? Pourquoi ça ne pouvait pas arriver à quelqu'un d'autre? Donc, vous voyez, les amis, hein, vous n'êtes pas les seuls à vous faire des râteaux, des pires hontes, des trucs et tout. Voilà, mes amours, c'était la petite minute confession du matin, si on peut dire ça, d'accord? Donc, voilà, j'espère dans les commentaires que vous allez mettre ce qui vous arrivait. Hein, parce que no way, no fucking way, je ne veux pas être la seule. Je veux que vous partiez. Partagez-vous aussi maintenant que j'ai fait le pas, que je vous ai tendu la main. Hein? Just wanna have some new friends. Donc j'espère que vous allez être mes nouveaux amis. Hein? Que voilà, voilà, voilà. Je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos, mes chéris. Surtout, n'hésitez pas, abonnez-vous, likez comme d'habitude et commentez, d'accord?